Pierre Espérance méritait un bon bois calé. C'est pas n'importe si bois calé, non? Un bois calé 5 ans en maté, la ouze a tombé peuple haïtien. Commissaire Muscadé, depuis un bel bout de temps, qui prend engagement pour sécuriser Nipla, ça fait un bandit saute côté le sorti pour le passer c'est dans zone ça, li pral taille banda, eh bien c'est dans cimetière, li pral tête droite. Eh bien défense doit mon soi-disant peuple haïtien qui c'est Pierre Espérance déclaré. Commissaire c'est un délinquant. C'est un petit malandrin parce que commissaire Muscadé arrivé mettre en bas corde divers individus qui fait partie de gang 4x4 selon déclaration Fidel mon chéri gang ça qui en bas l'obédience Pierre Espérance et gang si la peuple haïtien qui affilié ensemble avec Neg Timakakio sans surprise ensemble avec preuve nommé ou pral tande déclaration Fidel mon chéri sous dossier ça. Pierre Espérance, c'est membre gang Timakakio. Oui? Claire. Ça qui passe, avait dit ou jouen cahier secrétariat? Non, je comprends rien. Pierre Espérance, c'est membre gang Timakakio. Sous qui base ou fait déclaration ça? L'homme monsieur dit que commissaire Muscadé sont malandrins, mais c'est un brigand. J'en dis là, son délinquant. Son façon la fait pour cacher tête lui. Comment ça, ça qui passe? Qui est attention, monsieur, même? Comment commissaire Muscadé fait malandré? Sous qui base, li campé pour le faire déclaration comme ça? Parce qu'il n'est pas content de nos commissaires dans le rôle, il n'est pas content de nos commissaires dans libérer gang, etc. Sous qui base, ça qui passe? Muscadé a arrêté deux ou trois membres de gang 4x4 qui affiliés avec gang Timakakio. On va bon raison de faire ça. Dans toute conversation, Grégory Libéry dit c'est Pierre Espérance qui mettait le dormi la caille. La faille gang du Kendi, c'est Grégory Libéry qui menait le bail Pierre Espérance. Dormi trois mois la caille, ensemble avec un petit Dominicain qui est le Minguel Antonio. Felipe Minguel Antonio, qui dormit la caille d'expérience. L'homme dit que l'expérience est membre de gang Timakakio. Mais je mets le dossier sur Muscadé et sur l'autre citoyen encore qui n'a plus ton ville. Il joue une Black Machine, Fleurival Mendy, qui c'est AAA 17412, qui c'est Black Machine, directeur Bisret. Tout le monde connaît qui côté Bisret qui mourit. Il y a une Black Machine, ça. Ça, là, même là. AA 17412. Tale. Ça veut dire là, Yvon Busseret, qui te boule dans la boule, M. Timakakio te boule, yo joue une plaque machine, nan, nan men nèg Pierre Espérance. Mais, c'est quoi l'histoire donc? Ça qui arrive sans quatre l'étape mené, comment se fait-il? Il y a une plaque machine ça. Dans qui machine? Dans la machine, Fleury Valmendi, Grégory Libéry. Tout ça, là, aller dans le DCPJ, c'est inscrit, déclaration, Mounsav. Il y a une machine qui était planifiée, participer dans le massacre de matin 2 avec tout nom nous contendons. C'est SE040486. Le monde qui a piloté la machine ça, c'est Patrick Joseph. Et nous disons, si nous avons menti, voyez-moi d'abord. En la justice. Avec tableau ça. Il résume tout Zach Malandrin, ça fait en deux pays. Ok, délinquant. Le délinquant dit activité réalisée par le délinquant de la République, Pierre Espérance, ou Espérance Pierre, on peut mettre deux noms, chef gang 4x4, secrétaire général. RNDDH, qui sont une association criminelle. Donc, le document est disponible. Il est sous réseau. Tout le monde a une copie. Et si vous avez ça,
qui ça me dit pas qui pas vrai quel que dans la monde sauve moi vous mal la justice avant et si me coupable mettez dans la chaise sans ça de dans ça nous dit que nous mêmes on va faire pas sur dossier et nous demander pour que la justice fait lumière sur tout ça qui fait massacre. Bon, dossier Jovenel Moïse là. Pas oublier tout dit que c'est dans le tribunal de première instance la mort Jovenel commencé. Mandat que Jovenel Suisse était planifié, Jean-Roger Noël-Sius, que commissaire gouvernement et au port de Ronzi là, te préparé document, nous-mêmes ça nous fait, nous voulons requête by juge. Walter Voltaire, qui sous dossier Jovenel Moïse. Donc si tout ça nous dit là, il dérange quel que soit monde, on va bien faire tapage sur la radio, sur les réseaux sociaux, manipuler le monde, parler pour vous, faire tibare tête en bas. Même venir avec tout comme tout entier. Mais dans face à l'expérience depuis 3 ans, et puis demander pour que lumière fasse. Donc là, nous décortiquons tout le bagage, ou après que RNDDH était là, tout massacre. Planifié. Même là, moi, je viens de planifier là. Massacre de ma 32, planifié là. Témoin là, cassette là, déclaration faite déjà dans le DCPJ et déclaration ça a été faite tout côté en dedans pays là et l'international bien. Et nous concluons pour nous dire que Pierre Espérance est un délinquant, son voyou, son voleur, il vole le téléphone de Chelson. Nous sommes impliqués dans le paquet de bail sale, il kidnappe Chelson. Et ils font paquet d'autres sacs encore en dehors de ça. Et nous disent qu'il faut lumière faite. Et l'autre semaine, nous sommes venus là, nous allons faire une conférence de presse, nous allons mettre Pierre Espérance face à des situations. Ils ont arrêté gang M. Pétionville, des témoins, des témoignages. Ils ont arrêté Fleurival Mendy, dans le Sénat, qui est un plus gros kidnappeur qui est dans l'équipe là. Et lui-même, ils font kidnapping. 5 kidnappings par année pour vivre. Et dernier kidnapping qu'il fait, qui mène dans le pays blanc, il extradé, il était kidnappé 3 employés, PAM, Programme Alimentaire Mondial. Et Mounsa a été battu quoi? 130 000 $ américains et 20 000 $ pour espace côté où il était serré. Espace ça, son espace d'expérience qu'on est en pile, il fait quand il souvent, il fait photo à M. Sayo. Être changé à la traque pour la vécaïté papa en bas ciel bleu pays d'Haïti a gagné ou papa ici et même Fleury Valmen dit ça nous va tourner avec lui devant et il y a des déclarations qu'il te fait yo extra de Fleury Valmen nous baille date là 12 avril Jean-Louis Révolus qui sont un citoyen haïtien. La DCPJ lui témoigne contre Pierre Espérance. Pierre Espérance planifie massacre de Matin 2. Pierre Espérance exécute massacre de Matin 2. Et nous gagnons toute déclaration ça fait dans le DCPJ. Et ça qui est intéressant dans sa Pierre Espérance. Comme délinquant, voyou, kidnappé, volé, assassin, nexot, analphabète sonore, ça le fait. La lakay moun yo, la souhaite yo condoléances. Tenez, dans un degré de criminalité kakaonel, la lakay fomine ti ou bien Diego, ça a la DCPJ si vous mette de yo. Si menti, arrête. Ah bon, ça veut dire là, il fin planifié massacre li, il exécute massacre là, après ça, la lakay moun yo encore, y a souhaite yo condoléances. Non, mais c'est son bon lougaou. Mais c'est son bon lougaou. On lougaou a talent, papa, ici. La souhaite mon yo condoléance. Après le film de yo, pour yo, souhaite yo condoléance, on va dire yo, côté plein pour Jovenel Moïse, pour massacre d'El Matin de. Et ça qui est intéressant pour le songer, DCPJ gagne, il y a 2 machines l'État qui participaient dans le massacre. Il dit tout bas nous claquons là déjà. 2 machines l'État qui participaient. Non, bagaille ça, moi je compte par plaque là déjà. Pour qui ça demande pour aller côté plein tribunal Moïse, parce que c'est une façon pour qu'il a dit sous 2 journées, bien que c'est lui-même qui fait. Il n'y a pas de travail rapport, mais s'il te fait rapport, tu as plaqué sur nos kékés, Magali habitant avec Jean-Marc,
Bon Dieu pour moun sa yo, il pas de temps et nous dénoncer nous. Il pas ka bay blanc rapport à tout parce que DCPJ gagne toute information sa yo. Le témoigner et tout bagay sa yo inscrit enregistré dans déclaration qui citoyen sa yo fait dans DCPJ. De 2004 à 2023, qui a espérance pour malin plaisir pour faire faux rapport sur nous, faire mentir sur nous. Et il fait rapport sur un monde qui est dans le DCPJ, qui c'est Chile Bidor. Ce rapport a fait en 2009. Le grand journaliste d'éléments qui a fait Chelbert, il a des rapports. Et il dit, le rapport a dit, 850 000 $ américains que Chile Bidor a chipé. L'agent drogue, c'est drogue. Par la suite, même si la vie de sa vie, une bras droite, expérience, dans le massacre de la fin. Vous comprenez? Qui moun? Ça veut dire la Chile, lui, de te participé dans le massacre de la 32? Mais c'est quoi l'histoire de ce petit pays là-haut? Hey! Pourquoi il va mentir, monsieur, a fait sou? Bon, comment t'as donné, et ce magicien rival nous y est? Nous voulons même degré, gérer, causer nous. De CPJ, s'il vous plaît, faites travail ou dans le dossier. Parce que là, papa, ici, franchement, le dossier commence à confuser. Non, politique là, confuse. Organisation, droit à moun, moun qui dit, yop défend, droit à moun dans le pays d'Haïti, droit à commencer à confuser, franchement. Il y a des personnes comme malentrain, comme vagabond, comme voyou. Il n'y a pas aucun rapport sur le massacre de matin, zéro rapport. En 2023, il était planifié pour créer des zones dans le pays, ça, pour te emmerder, Jean-Jérôme Pondi, là, président et premier ministre, pour te kidnapper 10 de nous-mêmes. Tout ça dans le DCPJ. Et plainte déposée déjà dans le tribunal de commission de Port-au-Prince. L'imander pour que le gouvernement, pour le tribunal de première instance, pour le commissaire gouvernement, enterrer le rapport ça sans suite. Heureusement, le commissaire a compris ça. Même si M. Vin a un dossier sur le commissaire, heureusement, l'État comprend la situation. Ça a gagné des commissaires qui ont déjà retourné la fonction. Voilà, mesdames, mademoiselles et messieurs, vous avez des déclarations. Et Fednel, mon chéri, je suis capable de dire, magicien rival Pierre Espérance, depuis un bel bout de temps, qui a dénoncé Pierre dans une série de actes malhonnêtes dans le pays d'Haïti, un ensemble de massacres qui étaient faits sous ancien président Jovenel Moïse, kidnapping, pour citer ça seulement. Non, parole, mais chat là, moi j'échappe là. Gémo qui dit c'est domaine. Je chante pas et la note décharge. L'état réglé, ça fait la clé, oui, si.